Avec le sang. Avec la mif. C'est parti pour la Pascala. Quand même une bonne ambiance et c'est ce qu'on aime dans les stages de prépa. Moi, ce que je préfère sincèrement, c'est la sieste. La sieste après l'entraînement, elle fait du bien, mais après, c'est sûr que c'est important pour la cohésion du groupe, pour intégrer les jeunes et tout. C'est vraiment de ce qu'il y a de mieux. Pourquoi tu rigoles? Ouais, je pense que c'est moi. Je suis plutôt jeune. Ouais, on va dire que c'est par rapport à l'âge. C'est la perle, c'est la pépite comme on dit. Ouais, j'avoue sur ça, j'aime bien chambrer tout le monde. Que ce soit personnes âgées, les jeunes, on va dire je chambre beaucoup. Et ils chambrent aussi, attention, ils chambrent aussi, ça fait partie du sud ça, c'est chez nous. Ouais, au début ça faisait un peu bizarre, mais maintenant ça fait... Il y a du style. Alors là, je l'ai fait l'année dernière sur un coup de tête avec mon frère. Et là, c'est encore mon grand frère qui m'a chauffé. Il m'a chauffé, vas-y, fais-le, ça allait bien, je voulais pas. Et après, sur un coup de tête, le soleil, plage, piscine, pourquoi pas. Et c'est une mobilette, elle va à 8000, donc. Ça... Et moi, je vais à 3 km/h, du coup, je prendrai sa vitesse en premier, mais il n'y a pas que ça. Ça se rejoint un peu, il a 3 poumons, il court tout le temps. Du coup, il bouge tous les trous qu'il y a sur le terrain et putain, nous deux, ça pourrait faire un bon joueur. J'ai vu ta belle, elle a bougé là. J'ai senti un coup d'air. Ouais, après, ouais. Je m'embrouille assez souvent quand même sur le terrain, mais c'est comme ça. C'est eux qui me cherchent, pas moi. Restez auprès de nous on sera toujours derrière vous aussi, donc venez nombreux au stade. Il a tout dit les gars, on compte sur vous.